Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle foire aux questions du Forum du Parti de la France. Et ce soir, le règne interminable d'Emmanuel Macron. Vous avez été 50 à nous écouter, à écouter un jeudi soir, c'est très bien, merci beaucoup. Je suis persuadé que la rediffusion fera au moins 1000 vues. Et nous avons déjà deux mains qui sont levées, deux mains, deux auditeurs fidèles, deux adhérents du Parti de la France. Nous allons commencer par Dimé. Dimé, vous êtes un fidèle auditeur du Parti de la France, un adhérent, et vous habitez en Allemagne. Quelle est votre question, Dimé? Bonsoir à tous. Alors, moi, j'aurais deux questions. La première, c'est par rapport au catholicisme. Alors, moi, je ne suis pas du tout croyant. Toutefois, je pense que, tout comme plein de monde ici, la France doit redevenir chrétienne. Mais sachant que moi, je ne suis pas croyant, qu'est-ce que je peux faire Je sais pas comment expliquer ça. Qu'est-ce que je peux faire par rapport au catholicisme pour aider celui-ci à redevenir, entre guillemets, une religion officielle, dans la mesure où je ne veux pas me convertir parce que je n'ai pas la foi, mais qu'est-ce que je peux faire, en tout cas, dans ma vie de tous les jours pour être au moins en accord avec cette volonté de vouloir rechristianiser la France? Ma deuxième question, c'est par rapport au régime actuel. Je me rappelle dans un live avec Monsieur Leroy et enfin Maxime Leroy et Delavier, j'ai demandé si la France était un pays communiste. Alors, selon Maxime Leroy, pas tellement. Par contre, j'avais écouté une vidéo d'Hervé Rissène sur les Juifs, les Juifs, la Russie et le bolchevisme, et j'ai vu énormément de points communs avec la France. Peut-on dire alors finalement que la France est plus une république soviétique mais sans être communiste ou... Comment vous voyez la chose? Merci. Bah, du coup, je vais répondre d'abord à la dernière question. Effectivement, la France n'est pas forcément un pays communiste dans le sens où il y a quand même une propriété privée. Par contre, je dis toujours que on est un pays socialo-communiste. C'est-à-dire que c'est du socialisme qui tend de plus en plus vers le communisme. Donc, oui, il y a effectivement beaucoup de points communs quand on regarde des exemples communistes de par le monde. On voit très bien qu'il y a des ressemblances, ne serait-ce que dans les dépenses publiques. Un jour, j'avais vu le nombre de dépenses publiques par rapport au PIB en URSS, je crois que c'était en 1954, et je crois que c'était 63%. Et rappelez-vous, il y a 2 ans, il y a 2, 3 ans, avec le Covid, on était à 62%. Donc on avait quasiment le même poids de l'État dans l'économie qu'en URSS dans les années 50. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses qui font au moins on tend vers un communisme, dans le sens où aussi on voit très bien que tous les délires gauchistes, qu'est-ce que la gauche? C'est aussi de l'égalitarisme. Et le communisme a comme finalité l'égalité totale, hein, la pseudo-égalité totale entre les personnes. Donc la gauche pousse de plus en plus vers cette égalité. Veut tout du moins effacer les différences, notamment génétiques. Hein. Il nie les réalités génétiques, il nie les réalités biologiques pour justement effacer les différences qui sont extrêmement réelles, dans le sens où il y a des gens qui sont médiocres, il y a des gens qui sont très intelligents, et ils ne le sont pas devenus culturellement par la culture, ils le sont parce qu'ils ont des gènes. Et ces gènes leur ont été transmis par leurs parents, par leur famille, leurs ancêtres. Voilà, on n'est pas un pays encore totalement communiste, mais c'est vrai qu'on l'est, dans certains points, on l'est plus ou moins. Après, concernant ta première question, voilà, sur comment défendre le catholicisme sans avoir la foi, bah, je dirais que, dans un premier temps, déjà, de ne pas rejeter systématiquement l'héritage catholique de la France, mais je pense que c'est déjà ton cas. Après, je veux bien croire qu'il faut avoir à la fois, effectivement, pour se dire croyant, pour se dire catholique. Je suis passé par là, hein. J'ai eu toute une période pendant ma conversion, toute une période au début où bah, j'avais pas la foi, mais je m'intéressais de plus en plus à l'Église. Donc, je commençais à discuter avec des catholiques, à essayer de comprendre leur point de vue. Et j'ai aussi commencé à étudier des textes
des textes de l'Église, donc à lire le catéchisme. Donc, je conseillerais, bah, par exemple, de lire le catéchisme de Saint Pie X, qui est très très bien fait. En fait, c'est des questions-réponses. Questions très courtes, réponses très courtes, mais claires, nettes et précises. Voilà, mais sinon, dans la vie de tous les jours, ce qui est important, c'est de montrer le beau. Et voilà, poster une photo d'une belle église, d'une belle cathédrale, aller visiter des cathédrales, des églises, des basiliques, etc. Ça fait partie de ce que peut faire une personne qui est attachée à cette culture catholique, mais qui n'a pas la foi. J'imagine que tu aimes beaucoup les églises, comme beaucoup de gens qui ne sont pas croyants. Hein. Voilà, tu peux essayer de... Quand tu le peux, essayer d'aller visiter une église, et puis pourquoi pas prendre une petite photo, la diffuser sur les réseaux, et puis et rappeler que c'est l'église et la religion catholique qui a fondé la France. Hein. La France est née du baptême de Clovis. Si la France est le pays le plus visité au monde, c'est parce que il y a eu 1500 ans de catholicisme qui ont construit des églises dans chaque village, des magnifiques cathédrales, voilà, des châteaux magnifiques. C'est aussi pour ça que les étrangers viennent en France. Hein. C'est pas pour la République. Hein. La République, ils en ont rien à foutre. Eux, ils viennent en France, les étrangers, pour voir le royalisme, pour voir ce qu'était le royaume de France. La République, ils en ont strictement rien à faire. Donc voilà, après, je pense que Jonathan aura d'autres conseils à te dire. Je vous laisse. Pardon. Oui, je peux essayer d'ajouter quelque chose pour Dimé sur sa première question. Bon, je déplore qu'il n'ait pas la foi. Je ne lui reproche pas, évidemment, puisque des fois, la foi, c'est elle qui vous choisit. Si l'attitude morale, entre guillemets, ou l'attitude de cœur consiste à ne pas rejeter la foi si un jour elle se présente à votre porte, eh bien, la foi s'approchera de vous plus facilement et elle vous aidera à faire ce qu'un catholique doit faire, c'est-à-dire travailler au salut de son âme. Mais la religion, c'est encore autre chose, dans ce sens qu'elle a un autre aspect, c'est l'œuvre sociale, l'œuvre de société ou l'œuvre de civilisation. Donc, à défaut d'avoir la foi et de pouvoir communiquer cette foi autour de vous, vous pouvez communiquer autour de vous, à ceux qui en douteraient, que l'Église, la religion et les valeurs que cette religion porte ont pousser des gens à bâtir la civilisation des cathédrales. Donc, en fait, mettre en avant, valoriser et ne pas faire perdre de vue l'œuvre de civilisation et l'œuvre sociale de l'Église et de la religion. Et en défendant ces belles valeurs, vous allez permettre aux gens de se rendre compte qu'effectivement, lorsque ces valeurs-ci avaient pignon sur rue, lorsque les gens croyaient dans ces valeurs, lorsque les gens avaient cette énergie, cette foi, lorsqu'ils avaient ça dans leur vie qui les poussait vers l'avant, eh bien, ils bâtissaient quand même de plus grandes choses que celles que l'on bâtit aujourd'hui, qui sont souvent très matérialistes et qui n'ont pas de perspectives très éloignées. La société déchristianisée est dans un état lamentable. Rappelez aux gens que lorsque la société ne s'était pas encore dévitalisée de cette énergie chrétienne, elle tenait quand même un peu plus la route, ce qui ne veut pas dire qu'elle était parfaite. La société est toujours perfectible, mais enfin, avec voilà, je pense que, enfin, vivre sous Saint-Louis, c'était pas un calvaire par rapport à vivre sous Macron, par exemple. Donc, j'espère que la foi un jour frappera à votre porte et que vous saurez l'accueillir, mais tant que ce n'est pas le cas, vous pouvez continuer au moins d'accueillir l'héritage civilisationnel et le promouvoir autour de vous pour que les gens comprennent qu'une société qui est baignée de christianisme produit des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus pérennes, beaucoup plus durables, beaucoup plus stables, beaucoup plus solides que lorsqu'elle est uniquement matérialiste comme la nôtre, où on voit que tout ce qu'elle produit de toute façon est dominé par le règne de l'obsolescence programmée. Rien ne dure, rien ne s'installe véritablement dans le cœur des gens, rien ne permet aux gens de s'élever moralement, rien ne permet que les gens soient véritablement charitables et bienveillants entre eux. La société qui a été dévitalisée, son énergie chrétienne, a produit la société que nous dénoncions tout à l'heure, c'est la société de la guerre de tous contre tous, où plus personne ne s'aime, puisque plus personne n'a l'impression de partager un socle commun, et plus personne ne se sent l'obligation de plaire à Dieu. Or, Dieu, lorsque vous vous sentez l'obligation de lui plaire, vous vous sentez l'obligation de croire en ses commandements. Et les commandements divins sont effectivement bienveillants et permettent, lorsqu'ils sont appliqués par le plus grand nombre, que la société soit pérenne et paisible à vivre.
Lorsque les gens qui vous entourent n'ont plus peur du jugement de Dieu et qu'ils n'ont évidemment plus peur du jugement du juge, puisqu'il n'en a plus de toute façon en France, eh bien, ils sont complètement désinhibés. Je me souviens d'un livre que j'avais lu sur la Renaissance italienne, donc au XVIe siècle, où dans certains milieux culturels un petit peu mondains, donc les bobos de l'époque, qui avaient apostasié, qui avaient assumé de se défaire de l'énergie chrétienne et des valeurs chrétiennes, était devenu, le livre disait que des gens étaient devenus des bêtes fauves, en fait, et qu'ils se livraient au crime, au viol, etc., de manière complètement désinhibée, puisqu'ils n'avaient plus peur dans le jugement de Dieu. Or, les gens, lorsqu'ils ont peur dans le jugement de Dieu, ils ont peur de faire des choses qui déplaisent à Dieu. Et Dieu veut que nous ne fassions que des choses qui sont de nature à améliorer la vie des gens. Donc voilà, c'est pas du catéchisme que je suis en train de dire, c'est simplement un rappel strictement politique de l'œuvre sociale d'une religion comme la religion chrétienne, et rappelez ça autour de vous, c'est ce qui va permettre de défendre cet héritage, sachant qu'on ne défend pas cet héritage par pure nostalgie, on ne veut pas muséifier ce qu'a été la France, on veut faire revivre ce qu'a été la France, donc en rappelant ce qui a fait la grandeur de la France, on donnera envie à nos contemporains de renouer avec cette grandeur et de la rebâtir à nouveau. Et puis, je rajouterais que respecter, par exemple, les 10 commandements dans le catholicisme, en fait, c'est quoi? C'est juste des lois naturelles. Il n'y avait pas besoin, en fait, normalement, d'une religion pour dicter ces 10 commandements. C'est en chacun de nous. C'est des choses assez logiques, hein. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. C'est des choses, en fait, naturelles. Donc, les respecter, bah, c'est tout simplement... Voilà, c'est un minimum, c'est que respecter l'héritage catholique de la France, quand même, d'un certain point. Et en plus, voilà, on est de droite, normalement on est de droite. Quand on est pleinement de droite, c'est respecter le droit naturel, c'est la défense des valeurs traditionnelles. Et en fait, c'est quoi tout ça? C'est tout simplement respecter les enseignements de l'Église. Donc en fait, quand on est vraiment une personne de droite, au moins on respecte l'héritage qu'on nous a donné. L'héritage de tous nos ancêtres catholiques. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir la foi pour être respectueux de l'Église. Donc, voilà. Être un honnête homme, être sain d'esprit, sain de corps, et voilà. Donc, et respecter les vertus, etc. Donc, c'est. Chaque personne peut le faire. Hein. Il y a des. D'ailleurs, c'est un peu compliqué à comprendre au début, mais on peut très bien aller au paradis sans être catholique, hein, donc en respectant justement ses vertus, ses commandements, ses valeurs, donc voilà, je peux comprendre tout à fait ton sentiment, mais voilà, tu peux très bien être respectueux de notre religion, sans véritablement être des nôtres, entre guillemets. Voilà. Tout à fait. Attention, il y a quand même trois règles strictes pour espérer le salut sans être catholique, enfin sans être croyant plutôt, sans croire en Dieu. La première, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est soit ignorer les évangiles, soit avoir été dégoûté par le comportement de croyant. La deuxième, c'est écouter son cœur, agir en sa conscience. Et la troisième, c'est chercher profondément la vérité. Tout à fait. Et oui, mais d'Aimé. Moi, je suis devenu croyant il y a peu, j'ai eu la foi il y a peu, je vais me faire baptiser cette année, et je te souhaite de connaître la même joie et la même allégresse que moi. Bardamu USA qui veut nous poser une question. Bardamu USA, vous êtes adhérent du Parti de la France et fidèle auditeur aux États-Unis. Visiblement, on est écouté à l'international, hein, si j'ose dire. Bardamu USA, excusez-moi, quelle est votre question? C'est le décalage. Avec le bouton. Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, vous m'entendez, Bardamu USA? Oui, j'essaie de parler le Aya Nakamura, vous entendrez-moi bien, c'est bon, ok. C'est bon. Je voulais revenir, moi, sur cette affaire Brigitte, parce que moi, c'est une affaire qui me délecte. On parle quand même d'un président de la République, hein.
On ne parle pas, par exemple, d'un DSK. Et je rappelle à l'époque, quand DSK s'était fait poisser au Sofitel de New York pour préliminaire abusif, les langues s'étaient déliées. Et DSK s'était fait poisser au bois de Boulogne avec des travelots. Donc, une affaire Macron, voilà, quoi. Moi, ça me, c'est aigre-douce, j'aime bien. Et je rappelle quand même que tous nos présidents de la République, de Mitterrand à Chirac, et de Mitterrand à Hollande en passant par Chirac, ils ont toujours eu des affaires de mœurs, mais c'était avec des femmes. Ça a toujours été éclaboussé, c'était ce qu'on appelait le sexus politicus, hein, je rappelle la fille cachée de Mitterrand et j'en passe. Il y a autre chose aussi qui est quand même très drôle. Alors j'avais écouté ça dans une émission d'Olivier Delamarche. Delamarche avait expliqué, alors j'ai vérifié, hein, c'était vrai, c'est que quand Macron avait rencontré Poutine, vous savez, dans cette, dans, quand il avait, juste avant, pendant le déclenchement de la guerre, où ils sont tous les deux dans cette longue table là, de 6 mètres, le traducteur officiel de Poutine, c'était un travelot. Poutine avait mis un travelot à disposition de Macron. Je pense que Poutine, alors Chirac, on en pense ce qu'on en veut, jamais il aurait fait ça à Chirac. Je pense qu'il n'aurait même pas fait ça à Hollande. Voilà. Et ben moi, cette affaire-là, ça me fait bien marrer. Et j'ai envie qu'elle prenne de l'ampleur parce que, alors moi, dans le, ici aux USA, dans les petites chaînes locales, ils en parlent. Hein. Alors ça va très vite, hein. C'est des brèves, hein, mais ils parlent de cette affaire Brigitte. Et c'est bien fait pour Macron. Parce que je reprends tout ce que vous aviez dit dans cette émission, ce qu'avait dit si justement Jonathan Sturel, je vais reprendre l'expression de Philippe Murer, qui est si juste et que tu apprécies moyennement, toi, Maxime. C'est que Macron, c'est un xénophile francophobe. Je l'avais dit, mais c'est vrai. Il n'a fait que cracher à la gueule du petit peuple français blanc, hein, leur préférant la racaille congoïde avec qui il aime bien faire du frotti-frotta, hein, et ce, avec son plus beau sourire libidinal. Et là, je vais être volontairement vulgaire, excusez-moi Alexandre, vous pourrez me censurer à volonté, c'est qu'en fait, il se prend en pleine gueule toutes ces accointances LGBT, plume dans le cul compatible. Je suis désolé, messieurs, ce soir, c'est finesse. Voilà. Et quant à la mère Macron, j'ai déjà dit ici même, hein, ce que je pensais d'une quadra, hein, mariée, mère de famille, qui fait cocu son mari avec un enfant de 15 ans. J'ai le droit de dire enfant, parce que Maïl, il avait 17 ans, on dit que c'était un enfant. Donc Macron, c'était un enfant. C'est QFD. Voilà. Donc pour moi, c'est bien fait. Et la question que je me pose, c'est, on peut mettre fin à cette affaire-là. Le couple à Macron a des affaires stipendiées, pardon, des médias qui sont stipendiés à leur cause. Il suffirait simplement d'aller voir Paris Match, que Brigitte Macron leur montre des photos d'elle jeune, enceinte. Tout le monde a des photos de sa mère enceinte. Moi, je suis désolé, je suis né en 1979. J'ai des photos de moi où ma mère est à la maternité avec moi dans la couveuse, voilà, à côté d'elle. Voilà. À l'époque, d'accord, les appareils photos coûtaient cher, mais quand on s'appelle Trogneux, à mon avis, le problème d'un appareil photo, ça ne devait pas vraiment se poser, quoi. Voilà. Donc, il suffirait simplement de faire taire cette affaire-là avec des photos d'époque. Même chose pour la fille à la mère Brigitte, là, comment elle s'appelle, la Tiphaine-Auzière. Il suffirait qu'elle montre des photos de son père, de son père. Moi, j'ai des photos de mon père, il est ado. J'ai des photos de ma mère toute jeune avec ses parents. Et ça montre bien ce que c'est cette affaire. Elle est à l'image du couple, c'est-à-dire qu'elle est glauque et sordide. Et c'est pour ça que je trouve ça très bien. Alors malheureusement, c'est la France qui est quand même tachée. Et là, j'en reviens sur ma question qui va être volontairement provocante. Philosophiquement, ça vous inspire quoi cette affaire-là? C'est quand même, il n'y a pas plus sordide. Et quelque part, quand on voit l'état du pays, la dette, qui est très inquiétante, hein. Attendez-vous à vous faire ponctionner dans vos livrets A, dans vos assurances vie. Les services publics qui sont en train de se casser la gueule. L'école, j'en parle même pas. On en a parlé la semaine dernière, d'ailleurs. Il y a des gens qui meurent aux urgences à l'heure actuelle, hein. On meurt aux urgences. La police qui se fait attaquer. Moi, je montre ça à mes collègues américains, ils sont sidérés. Et je parle même pas des JO. Là, on va bien se marrer aussi. Alors, ma question volontairement provocante, toi, Maxime, tu dis que tu es bien de droite. Mais quelque part, et vous aussi Alexandre, et aussi Jonathan, est-ce que vous regrettez pas quand même que Fillon, de ne pas avoir vu Fillon à la tête de l'État en 2017? C'est volontairement provocant. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Mais c'est sûr que Fillon n'aurait pas pu faire pire, je pense. Et je pense qu'on a aussi beaucoup à avoir regretté de ne pas avoir voté Fillon au premier tour. Quand on voit ce qui s'est passé ensuite, Marine Le Pen qui a complètement raté son débat d'entre deux tours et toutes ces trahisons qui s'en est suivie. Alors, elle avait déjà trahi bien avant, hein, mais là, ça s'est quand même accéléré depuis 2017.
C'est sûr que un Fillon président, ça aurait quand même été mieux. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Jonathan, je te laisse la parole. Alors, bien évidemment que l'élection de Fillon aurait été préférable à celle de Macron, mais du coup, ça aurait invalidé un petit peu tout ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis pour la précipitation de la chute de ce régime, et Macron précipite ce régime avec beaucoup plus d'efficacité que ne l'aurait fait Fillon. Mais c'est vrai que ça nous aurait évité certains passages extrêmement douloureux depuis 2017, et ça nous aurait évité aussi de subir la trombine de Macron, qui est vraiment une espèce d'accident électoral. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du score de Poutine et de la démonstration que ce score prétendument établirait à propos d'éventuels trucages ou du fait que l'élection n'est pas libre en Russie. Faut se rappeler que s'il n'y avait pas eu le déferlement médiatique et judiciaire contre François Fillon à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, François Fillon était élu. C'était couru d'avance. Il était en tête des sondages. Il avait remporté la primaire triomphalement. Il avait balayé son opposant Juppé avec dans un score lui-même, je crois, si je me souviens bien, assez soviétique. Voilà, il avait un boulevard devant lui. Le prochain président, c'était lui. Et il s'avère qu'un concours de circonstances, les médias qui ont jeté de l'huile sur le feu avec des histoires de costards, etc., le PNF, le Parquet National Financier, qui a été chercher des noix à Fillon à ce moment-là, ça a divisé son score par 2 ou par 1,5 et ça a permis à Macron de passer devant lui. Et une fois qu'il était au second tour contre Marine, il y a eu tout le déferlement médiatique qui lui a permis de remporter cette élection. Donc c'est Macron, c'est quasiment un accident électoral en réalité en 2017. Il n'a rien à faire là. Cette espèce de petit nouveau qui sort de nulle part, qui nous a été imposé par Hollande, président le plus impopulaire de l'histoire. Rien que ça aurait dû permettre de l'éliminer. Mais voilà, bon. Est-ce que j'aurais préféré que ce soit Fillon? Évidemment que j'aurais préféré que ce soit Fillon parce que ça nous aurait imposé de vivre moins de situations comme on les vit aujourd'hui, même si ça n'aurait pas été parfait. Hein. Fillon, c'était pas le sauveur de la France. Mais c'est vrai que Fillon, ça avait quand même un petit peu plus de classe. Que Macron, mais moi je suis obligé de rappeler que je préfère une fin dans la douleur qu'une douleur sans fin. Et le problème avec Fillon, c'est que comme il présente bien, comme il est bien établi, comme il est plus fin politiquement aussi sans doute, plus il aurait fait durer encore plus longtemps ce désastre républicain. En l'aplanissant, en aplanissant un petit peu plus les manifestations les plus ostentatoires, ce que Macron ne fait pas. Lui, c'est du rentre-dedans, c'est il y va, et moi, je suis convaincu que ça va précipiter la chute de ce régime. Donc, j'accueille le très mauvais moment que nous passons sous la présidence Macron comme l'élément qui peut-être nous délivrera, en tout cas nous permettra de dénouer une situation qui, avec Fillon, aurait pu durer encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps, quoi. Merci beaucoup vous deux pour vos réponses. Alors moi j'avais parlé tout à l'heure effectivement de François Fillon qui aurait dû gagner les élections en 2017, hein, c'est un fait. Cependant il a été Premier ministre, ça je ne l'oublie pas, d'un des pires présidents de la République, du top 3. Donc par conséquent, son programme, bien qu'attrayant sur certains aspects, je n'y accordais aucun crédit, car à l'instar de Nicolas Sarkozy ou du RPR en général, Chirac compris, ce qui était proposé en qualité de programme n'était jamais appliqué une fois élu. Donc François Fillon, je n'avais aucune sympathie. Mais effectivement, j'avais sous-estimé peut-être le problème Macron. Je ne pensais pas qu'Emmanuel Macron était allé aussi loin pendant ses deux mandats. Tu dois l'admettre. Après, j'étais jeune à l'époque. 2007, j'étais mineur. Je vais ajouter une Allez-y. petite chose sur Fillon qui va vous conforter dans l'idée que ce n'est pas quelqu'un qui aurait pu aider la France, etc. C'est que à un moment donné de la primaire de la droite, Alain Juppé, qui est un personnage sordide au possible, s'était imaginé qu'il allait prendre en défaut son rival Fillon en soulevant la question de l'avortement parce qu'il savait que par conviction religieuse, dans l'intimité de ses
pensée personnelle, Fillon est plutôt hostile à l'avortement. Et il l'avait pris à témoin publiquement, Monsieur Fillon, soyez beaucoup plus clair sur l'avortement, parce que, et Fillon avait fait cette déclaration absolument improbable qui, à mes yeux, le disqualifiait de toute manière, de manière éclatante et définitive, c'est que il disait, oui, je suis à titre personnel, à titre strictement individuel et personnel, j'ai des convictions sur qui sont plutôt défavorables sur l'avortement, mais en tant qu'homme politique, je ne ferai rien et je n'aurai jamais rien fait qui entrave l'avortement comme pratique. Donc, je fais une différence encore entre ceux qui pratiquent ou promeuvent l'avortement sans avoir conscience qu'ils font quelque chose de mal et même en ayant l'intime conviction à tort qu'ils font quelque chose de bien, de libérateur pour la femme, etc. Je ne leur pardonne pas de défendre l'avortement, mais je comprends mieux chez eux que ce soit possible. Mais chez quelqu'un qui a conscience du mal que cela représente, mais qui, en responsabilité politique, lorsqu'il est en responsabilité politique, ne fait rien pour empêcher ce mal, alors qu'il sait que c'est un mal, c'est 10 fois plus grave, à mon avis, que quelqu'un qui commet un mal sans avoir véritablement conscience que c'en est un. Fillon, en admettant qu'à titre personnel, il avait une hostilité vis-à-vis, pour des raisons religieuses en plus, vis-à-vis de l'avortement, mais qu'en responsabilité, aux responsabilités, il n'aurait rien fait contre, ça le rend, à mon avis, 10 fois plus fautif que Gabriel Attal, par exemple. Comme je disais tout à l'heure, l'avortement, c'est un dogme de la République. Donc, s'il avait dit qu'il était contre, il aurait été excommunié de la République. Il a préféré être excommunié de l'Église catholique, au moins, il aurait préféré, sûrement, plutôt qu'être rayé de la carte médiatique. Effectivement, de toute façon, c'est un manque de courage. Tous les hommes politiques qui manquent de courage sont des hommes sans couilles. C'est juste insupportable. Et comme je l'aime à rappeler, Solzhenitsyn disait que le déclin d'Occident commençait par le déclin du courage. Et on est vraiment là-dedans. C'est que plus personne n'est courageux dans ce pays, dans le monde politique. Je parle dans le monde politique grand public, hein. Parce qu'heureusement qu'il existe encore des partis politiques comme le Parti de la France ou même Civitas avant qu'il soit dissous. Voilà, c'est notre rôle au Parti de la France aussi de faire bouger les lignes, d'être une sorte de fenêtre d'Overton, de déplacer le curseur à droite, de libérer les paroles, libérer les consciences. C'est notre rôle. Alors oui, on n'est pas dans les médias mainstream, mais voilà, il y a quand même des gens qui nous écoutent et qui, je le sais, sont contents d'entendre nos voix parler de choses qu'ils n'entendent pas dans les médias. Absolument. Je vois Lynn Jeanne qui lève la main. Je vais laisser maintenant la parole à Lynn Jeanne. Lynn Jeanne, quelle est votre question? Vous pouvez appuyer sur le petit bouton bleu pour vous exprimer. Petit bouton bleu qui est en bas de votre écran. Entre le bouton quitter et le bouton vidéo. Ah, je crois que Linjan n'y arrive pas. Bah, si quelqu'un d'autre a une question, en attendant, il peut prendre le bouton. Oui, Alexandre, ah, merci. Pas de souci. Allô? Allô, Linjan, vous m'entendez? On vous entend. Enfin, on vous entend. Moi, je vous entends pas. Mais le micro est allumé. Bah, là, il est éteint, le micro. C'est pas grave. J'ai entendu pendant quelques secondes, mais... J'ai entendu une voix féminine, mais c'est tout. Bon, Linjan, si vous voulez... Merci beaucoup. Bonsoir. 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 Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai été... interpellé Bon, bah, on ne saura jamais pourquoi elle est interpellée. Je ne sais pas. Son micro n'arrête pas de couper. Et elle, a pas les 3 gigas, elle a dépassé les 3 gigas, je crois. Elle a dépassé les 3 gigas de Najat Fallot Belkacem. Bon, en tout cas, elle a été interpellée. Ce qui est déjà ça. J'ai remarqué, je ne vais pas rentrer dans un débat ou dans une polémique, mais c'est vrai qu'à chaque fois que c'est une femme qui prend la main, la phrase commence toujours par « j'ai été interpellé parce que ».
J'ai été interpellé parce que vous parlez de femme au foyer, parce que vous avez parlé d'avortement. Et je suis sûr que c'était ça. Hein. L'expérience fait que. Je m'en doute, je m'en doute. Mais on ne saura visiblement jamais. Là, elle a encore le micro. Hein. Si elle ne parle pas, c'est parce qu'elle n'y arrive pas. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Bardam USA, du coup, en attendant. Bardamu USA, excusez-moi. Votre ancien pseudo était plus facile à prononcer. Quelle est votre seconde question? Ah bah lui Alors, à aussi a chaque fois dépassé. que je... Ah, Non, mais allez-y. à chaque fois que je me connectais, je me fais virer du forum. Je suis sûr que c'est la DGSE là, qui est en train de faire un truc contre nous, les gars. Faut faire gaffe, là. Faut faire gaffe. On est en train de parler de Brigitte, ça va plus. Ça me Ça va plus. fait. Ouais, ça. Alors, j'ai essayé de... Bon, comme il n'y a personne qui prend la parole, j'ai essayé de poser quelques questions. C'est pour l'audimat, hein, vous savez, c'est important pour nous. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, là, Bruno Le Maire, donc Bozo Le Maire, est en train de se rendre compte, après 7 ans à Bercy, il se rend compte qu'il y a une dette en France, une dette qui est colossale et inquiétante. Ils se vont en tout cas raboter sur beaucoup de choses, et notamment sur les aides. Alors, j'aurais voulu avoir votre avis sur ça. Quelles sont les propositions du Parti de la France? Et aussi, bon, aussi un peu ce qu'en pense aussi Jonathan Sturel, je pense qu'il n'est pas adhérent au Parti de la France, sur la question sociale et sur la réduction de la pauvreté en France. Alors, j'entends assistanat, à ceci, on en a déjà parlé, mais quelles sont pour vous les grandes lignes philosophiques pour aider, on va dire, notre prochain. Vous êtes catholique, donc il faut aider son prochain. Et quelles sont pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire, on va dire, l'aide de son prochain et la question sociale. Voilà. Est-ce que j'étais clair ou pas? Oui, très bien. Bah, moi, je dis toujours que plus un pays a de dépenses publiques, plus il a d'impôts, et moins il a de croissance, et en conséquence, plus il y a de chômage et plus il y a de pauvreté. En France, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à 58% du PIB donc en dépenses publiques, ce qui est monstrueux. Donc, c'est-à-dire que l'État est omniprésent dans l'économie. Et pour cela, ils sont obligés de ponctionner dans les revenus des Français. Donc à environ 50%. Donc s'il y a une différence de 8%, c'est parce que évidemment on finance des choses avec de la dette. Alors, vu que la conséquence c'est une baisse de la croissance et donc une hausse de la pauvreté, il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français. Donc il faut arrêter de financer tout et n'importe quoi. Il faut arrêter d'avoir des millions de fonctionnaires qui ne servent à rien du tout, à part faire de la bureaucratie, à part à faire respecter des réglementations qui emmerdent les Français. Ouais, la ligne politique en économie du Parti de la France, c'est arrêter d'emmerder les Français. Point final. C'est pas plus compliqué que ça. Arrêtez de les emmerder. Ils sauront d'eux-mêmes comment gagner de l'argent. Dans plein de pays qui sont bien plus libéraux économiquement, quand il y a des baisses d'impôts, en fait, ça se traduit par plus d'entrepreneuriat, ça se traduit par plus de revenus chez les gens, et du coup, ils vivent mieux de leur travail. Et dans tous les pays socialistes, c'est l'inverse. Des gens s'appauvrissent d'année en année. Et donc, quand on est catholique et qu'on veut effectivement le bien commun, et qu'il n'y ait plus ou moins de pauvres, en tout cas, c'est pour moi la base, c'est de lutter contre le socialisme, contre l'étatisme de l'État dans l'économie, pour pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'est simple, regardez votre fiche de salaire, regardez le nombre de lignes qu'il y a déjà, alors comparé à il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il y avait 4 lignes. Maintenant, il y en a combien? Il y en a 20, 25, 30 même, peut-être même plus. Et encore, tout n'est pas marqué. Dans une fiche de salaire, il y a une fiche de paie, il n'y a que les charges salariales. N'apparaît pas les charges patronales. Donc, quand on dit qu'on gagne un salaire brut, un tel montant en brut, en fait, il faut encore rajouter les charges patronales que l'entreprise paie. Donc, des fois, c'est facile, 20% de plus, hein.
Moi, j'ai déjà un peu calculé mon salaire en comptant par rapport à mon brut et par rapport à mon net après impôt. Et en une estimation des charges patronales, j'arrivais environ à 75% d'imposition si je rajoutais la TVA. 75, peut-être même 80, enfin voilà, au moins 75%. En rajoutant la TVA, en rajoutant la taxe d'habitation, la taxe foncière, en rajoutant tout. Les classes moyennes sont paupérisées en France à cause du socialisme. Combien de gens travaillent depuis 30 ans et s'ils font le calcul de leur salaire en début de carrière et qu'ils rajoutent l'inflation, combien de personnes gagnent exactement le même montant ou peut-être même moins? C'est énorme. Donc voilà, quand on a le souci de l'autre, on ne peut pas être socialiste. C'est impossible. Dans l'histoire, tous les pays socialistes, ils ont tous entraîné un appauvrissement du niveau de vie. Donc voilà, moi, à mon humble niveau, j'essaie de faire comprendre aux gens que le socialisme, ce n'est absolument pas le social. Le socialisme est antisocial. Et redonner de la liberté économique aux entrepreneurs, aux citoyens, tout simplement, et ben ça permet d'avoir une meilleure activité économique qui augmente la croissance et qui fait baisser le chômage. Donc voilà. C'est pour ça qu'au parti de la France, on est plutôt libéraux économiquement, même si on n'est pas des purs libéraux, évidemment, parce qu'on est aussi des nationalistes. Hein. Bon, c'est la France avant tout. Hein. Il y a des limites à la liberté économique, évidemment. Mais en arrêtant d'emmerder les Français, voilà, c'est comme ça qu'ils vont. Il faut leur faire confiance. Ils savent comment gagner de l'argent. Ils savent beaucoup mieux que l'État, d'ailleurs. Le problème, c'est que l'État pense tout savoir. Ils pensent savoir mieux que tout le monde. Ils pensent les hauts fonctionnaires qui n'ont jamais travaillé à part dans les ministères. Ils pensent savoir mieux qu'un ingénieur agronome, par exemple. Ils vont donner des leçons, ils vont créer des réglementations pour les agriculteurs sans jamais leur demander leur avis. Voilà, c'est ça en fait l'État. C'est la gauche, c'est penser que ce qui a été fait pendant des siècles, c'est pas bon et qu'il faut tout révolutionner. Et que moi, le grand moi, avec un M majuscule, eh ben, je sais mieux que tout le monde. Non, 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 ceux qui sont sur le terrain savent beaucoup mieux que des hauts fonctionnaires. Donc arrêtons d'emmerder les Français. Virons des millions de fonctionnaires qui sont dans les bureaux à emmerder les gens. Virons des fonctionnaires et recrutons d'autres fonctionnaires qui sont plutôt sur le terrain. Je pense notamment à des infirmiers, à des médecins, à des flics. Ceux-là, on peut augmenter les effectifs, mais par contre, réduire drastiquement ceux qui sont dans les bureaux à emmerder les gens. Voilà. Voilà qui est très efficace. Alors, je ne sais pas si c'est ta dernière intervention. Je pense que oui, parce qu'il est quand même déjà presque minuit, hein, n'est-ce pas? Et je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, hein, n'est-ce pas? C'est logique, je suis parti de la France, on a la même ligne politique. Écoutez, moi j'ai été ravi. Merci beaucoup, Jonathan Sturel, d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir de vous retrouver dans mes émissions. J'espère Oui, qu'on aura le plaisir de vous retrouver de nouveau. c'est un plaisir partagé. Si j'ai encore 20 secondes pour répondre à la question qui vient d'être posée par Bardamu USA et qui répondra en même temps à celle de Dimé tout à l'heure, c'est sur l'aide aux pauvres, l'aide aux indigents, l'assistance aux malheureux et aux éclopés de la vie. Évidemment que je suis favorable puisque la cause des petites gens, c'est l'une des grandes causes de ma vie. Et je répondrai de la manière suivante. Avant, l'assistance aux pauvres, que ce soit du niveau de l'éducation, du fait de les nourrir, de les assister au quotidien, c'était les institutions religieuses qui s'en occupaient beaucoup, les bonnes sœurs notamment, et c'était la charité chrétienne qui faisait que les uns venaient en aide aux autres. Et depuis que la République laïque a complètement terrassé le christianisme, cette charité a disparu, elle a été remplacée par la solidarité, terme étatique, qui consiste en réalité à prélever l'impôt de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pour le redistribuer à des gens qui en ont encore moins. Et ce que ça a permis de faire, c'est que les gens qui sont dans les classes moyennes et qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui se font prendre une partie de ce peu d'argent qu'ils ont pour qu'ils servent à des gens qui sont plus pauvres qu'eux, ça leur fait dire, ils nous commencent à nous casser les pieds, ces cassos, ils ont qu'à se débrouiller, c'est pas à moi de payer leur train de vie, etc. Donc ça crée de l'hostilité entre les uns et les autres, alors qu'à l'époque de la charité, donc avant l'époque de la solidarité étatique, mais à l'époque de la charité chrétienne, les gens, c'est spontané.
spontanément et c'est avec bienveillance et c'est de leur plein gré qu'ils aidaient les pauvres et les indigents. Donc, je préfère une situation où les gens, par amour de Dieu, un amour duquel procède l'amour des gens, décident d'eux-mêmes et avec bienveillance d'aider les pauvres qui sont autour d'eux, qu'un système où on les a débarrassés de l'amour de Dieu, ce qui a supprimé de leur cœur l'amour des autres, et où on leur prend contre leur gré l'argent par le biais de l'impôt pour aider des gens, avec pour conséquence de leur faire détester ces gens qu'ils accusent d'être responsables du fait qu'on leur prend un petit peu de leur argent. Donc la charité chrétienne, a existé pendant des siècles, et Simone Veil, la philosophe, celle avec un W, disait que tant qu'il existera des pauvres et de la pauvreté, les institutions et la charité chrétienne seront indispensables. Et comme il existera toujours des pauvres et toujours de la pauvreté, les institutions religieuses seront toujours nécessaires dans une société. Or, ce qu'a fait la République, c'est débarrasser l'espace public et l'espace privé de ces institutions religieuses, ce qui fait que la charité chrétienne n'a plus eu la possibilité de s'exprimer, et donc il a fallu la remplacer par la solidarité étatique avec toutes les conséquences que je viens d'évoquer. Donc ça, c'était aussi une façon de répondre à Dimé. Voilà l'une des grandes œuvres sociales et de civilisation et de culture de la religion, ça a été la charité, c'est-à-dire permettre aux gens, grâce à l'amour qu'ils ont pour eux, lequel procède de l'amour de Dieu, d'aider les pauvres, d'aider les indigents, d'avoir à cœur d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Et je préfère la charité chrétienne à la solidarité étatique, parce que la charité chrétienne est spontanée, bienveillante et volontaire, alors que l'autre ne crée que de la tension entre les gens. Voilà. Et je terminerai en disant merci de m'avoir invité, de m'avoir invité en même temps que Maxime, mon camarade, et j'espère qu'on se recroisera ici ou ailleurs. Donc merci pour l'invitation de ce soir. Avec grand plaisir. Également. Au revoir Maxime aussi, merci d'avoir accepté l'invitation également. Vous êtes un invité régulier en tant que cadre du Parti de la France. Et moi, je vous dis à très bonne fin de semaine. Intéressez-vous à la Délégation des siècles. Moi, j'ai des livres de la Délégation des siècles, très bonne maison d'édition. Donc, intéressez-vous au travail de Jonathan Sturel. Et suivez-le sur les réseaux, bien entendu. Et moi, je vous dis bonne fin de semaine. À la semaine prochaine pour le bistrot. Alors, le bistrot, je ne sais pas comment ça va se passer parce que je suis en examen. Examen étudiant, et en fait les examens étudiants en études supérieures, c'est pas il y a un partiel de 4 heures et c'est terminé, c'est des examens qui durent 48 heures. Donc moi je commence le jeudi matin et je finis le vendredi soir à 23h59 théoriquement, mais bien évidemment en pratique je suis censé le rendre avant, j'espère le rendre avant, mais effectivement si le dossier est conséquent, je vais peut-être prioriser la réussite de l'année que l'émission que je peux reporter le lendemain, donc je ne sais pas, on verra. Je vous tiendrai au courant. Laisse-les en roue libre, hein. Tu les laisses, t'inquiète pas, ils vont se débrouiller. Je ferai l'émission pendant je ferai mon partiel pendant l'émission. Bonne fin de semaine tout le monde et à la semaine prochaine. Et parlez d'émission autour de vous. Au revoir. Au revoir tout le monde.